Monsieur le sous-préfet Valenbois, Madame la députée Marie-Josée Zimmermann, Madame la députée européenne Nathalie Griesbeck, Monsieur le sénateur Masson et conseiller général du canton, j'essaie de ne pas oublier tout le monde, Monsieur Pierre Andriemeyer, qui est donc le descendant à la 14e, je crois, génération de Monsieur Raphaël Lévy, Monsieur Wilhelm Schumann, président de la LICRA et membre du conseil municipal de Metz. Monsieur Mazius, président du Souvenir français, le chanoine Ferry, monsieur le grand rabbin de la Moselle, Bruno Fison, messieurs les rabbins Roby Beau, monsieur le grand rabbin Fima du Haut-Rhin, monsieur Choukroun, aumônier militaire, rabbin aumônier militaire, monsieur le Rav Bamberger, monsieur Patrick Thiel, conseiller municipal de Metz, messieurs les membres du consistoire israélite de la Moselle, monsieur et les coprésidents de la communauté de Metz, monsieur le président du consistoire central des communautés juives de France, monsieur Joël Mergui, qui nous a fait l'honneur de faire le déplacement, et vous tous, j'oublie obligatoirement pas mal de personnes. Nous sommes aujourd'hui réunis à la mémoire de Raphaël Lévy. Raphaël Lévy a été accusé en 1669 d'un crime rituel sur un enfant de 3 ans qui était de Glatigny. Il a été supplicié et il a été brûlé vif à Metz en 1670. Il a toujours dénié cette accusation, même sous la torture dite ordinaire et extraordinaire, et je vous laisse le soin de penser ce que ça pouvait être extraordinaire. En même temps que lui, 9 juifs de Metz ont été emprisonnés, soi-disant pour collusion. Il y a eu recours de la communauté juive de Metz auprès de la cour royale de justice de Louis XIV, qui a innocenté Raphaël Lévy et qui a bien sûr fait libérer les 9 prisonniers. Il y a une tradition depuis cette époque-là, qui voulait que les Juifs ne dorment pas à Glatigny et ne traversent pas cette agglomération. Et j'en ai eu pour preuve une dame que j'ai rencontrée il y a 3 ou 4 jours, et qui m'a parlé de son père, qui était marchand de bestiaux, et qui continuait il y a une trentaine d'années à faire des affaires avec des gens de Glatigny, mais ses affaires se faisaient en dehors du village. Il ne rentrait pas dans le village. Donc c'est une tradition qui était bien maintenue. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis, et incontestablement, si nous sommes là, c'est pour que ce décret, en quelque sorte, qui n'est pas un décret officiel, soit complètement aboli. Et je suis très heureux de voir M. Stallone, qui est donc le maire de Glatigny, et qui, grâce à qui, parce qu'il a été l'organisateur, il a été surtout l'instigateur avec son conseil municipal de cette manifestation. Cette affaire, qui est une affaire Dreyfus avant l'heure, va vous être relatée par Henri Schumann, qui est un des membres du consistoire israélite de la Moselle chargé du patrimoine. Et il va vous le faire mieux que moi j'ai pu nous le faire, puisqu'il travaille dessus depuis un bout de temps. Et il est aussi, il ne faut pas l'oublier, un des organisateurs de cette manifestation. Donc je donne la parole à Henri Schumann. Merci, Président. Chers amis, toutes les personnalités ont été... J'espère qu'on n'a oublié personne, mais par contre, je voudrais encore excuser le grand rabbin de France par intérim, Michel Guggenheim, monsieur le grand rabbin du Bas-Rhin, René Gutmann, et monsieur le président du consistoire israélite du Bas-Rhin, Francis Lévy, ainsi que monsieur Claude Rosenfeld, ministre officiant de Saint-Avold, et monsieur Jacques Crémer, le comédien, qui avait fait une pièce sur Raphaël Lévy et qui n'a pas pu venir, retenu par d'autres obligations.
Lorsque je vous ai rencontré, monsieur Stallone, monsieur le maire, le 18 avril 2010, vous voyez que j'ai des notes, hein, lors d'une cérémonie de pose de plaque sur l'ancienne synagogue disparue des étangs, je savais que la route serait longue et compliquée. Mais vous avez compris que je ne lâcherai pas prise. Et avec votre persévérance, à vous également, et sous votre autorité aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour clôturer 344 ans après l'affaire Raphaël Lévy. Le plus rapidement possible, quelques mots sur cette affaire. Le président en a déjà dit quelques mots, je vais peut-être être un petit peu plus précis. Le mercredi 25 septembre 1669, Raphaël Lévy, habitant Boulay, se rend à Metz à cheval pour acheter un chauffard, donc c'est une corne que les Juifs sonnent à Rosh Hashanah, au Nouvel An, ainsi que du vin, d'autres disent de l'huile, mais c'est pas tellement grave ce qu'il était venu acheter. Ce même jour, Marguerite, dite Mangeotte, Villemain, épouse de Gilles Lemoine, vers 3 heures de l'après-midi, écoutez bien les horaires, Mangeotte s'en fut au lavoir de Rotonfeilly, tout proche de Glatigny. Elle poussait sa brouette chargée de ballots de linge sale et d'y trottinait à sa suite, empiétrée dans sa longue robe dont on revêtait les garçons comme les filles à cette époque. Elle mit son linge à tremper, se retourna et subitement vit que son petit garçon n'était plus là. Tout le village, le maire en tête, se mit à la recherche du petit Bamberg. Peu après, suivit un cavalier de la compagnie du comte de Vaudémont, Daniel Payet, qui affirma qu'il venait de croiser un juif barbu, monté sur un cheval noir et tenant devant lui un enfant blond. Une tête, il s'éloignait sur la route de Metz. Le jour, le père de Didier, pardon, allèrent sceller leurs chevaux et prit la route allant vers la porte des Allemands. À côté de la porte des Allemands, il y avait l'atelier du tourneur Thiébaut Rénal. Interrogé par Gilles, le papa, il prétendit avoir vu une heure plus tôt un cavalier franchir la porte tenant devant lui quelque chose qu'il cachait de son manteau. Il précisa qu'il s'agissait de Raphaël Lévy, un marchand de bestiaux de Boulay, qui se rendait rue des Juifs, donc à côté de la synagogue, rue de l'Arsenal, rue du Rabbin Libloch aujourd'hui, chez son cousin André Guerson. Mais Madame Guerson était seule et assura qu'elle n'avait pas vu Raphaël déjà depuis bien longtemps. Les deux hommes rentrirent chez eux et la culpabilité du juif ne faisait donc plus aucun doute à leurs yeux. Le 3 octobre, une semaine après la disparition, le père de l'enfant demanda à la justice réparation contre Lévy. Il accusa donc d'avoir enlevé l'enfant pour le sacrifier. Depuis 4 siècles, couraient des bruits selon lesquels certains juifs dévoyaient, sacrifiaient de petits enfants et incorporaient leur sang pour la confection des pains azimes. La jalousie des marchands à l'encontre des juifs, le pape, au XIIe et XIIIe siècle, élevèrent hautement leur voix en faveur des persécutés. Et Innocent IV menaça même de les excommunier s'ils continuaient à raconter ou à attaquer les juifs. Ce même pape rappela qu'il était admis que des enfants indignes avaient caché leurs enfants pour attaquer les juifs. J'avais normalement encore beaucoup de pages et beaucoup pensé à cette affaire depuis 4 ans. Je voudrais juste raconter une affaire, parce qu'aujourd'hui nous sommes, c'est quand même, on dit qu'il y a le hasard, mais ce n'est pas le hasard. On a la chance d'accueillir aujourd'hui Pierre-André Meyer, donc, qui est descendant de Raphaël Lévy de 1670. Donc j'ai son arbre généalogique, et je vois Pierre-André Meyer, 1950, vous êtes tout en bas de ligne, Pierre-André. La date de naissance n'a pas changé. Voilà. La date de naissance n'a pas changé. Non, mais Dieu merci, il y a un blanc à côté, que Dieu vous donne longue vie. De l'autre côté, j'ai de la main de Mademoiselle Bernadette Lemoine, qui était également la dernière descendante. Ah oui, vous ne vouliez pas que je donne votre date de naissance, vous êtes coquin. De Gilles Lemoine, de l'enfant Didier Lemoine. Et vous voyez, la Bernadette Lemoine, elle m'avait écrit de sa main 1911, et malheureusement, j'ai rajouté, moi, célibataire, j'ai rajouté, moi, juin 2004. Donc, il y a deux lignées, qui, heureusement, il y en a une qui continue. Cette affaire s'arrête aujourd'hui, grâce à M. Stallone, avec qui nous avons sympathisé. Je sais que la première fois que je suis venu en conseil municipal, c'est très, très difficile pour moi. J'étais accompagné de Raymond Lévy, vice-président du consistoire. Je suis rentré à reculons,
J'ai failli repartir à reculons d'ailleurs aussi. Mais nous avons sympathisé très rapidement parce que j'ai trouvé en vous un homme de grand cœur. D'abord, j'ai vu dans le journal de Gatny que vous êtes un artiste. Et si vous êtes un artiste et que vous êtes un artiste, et normalement un artiste a toujours normalement un grand cœur. Je vous souhaite de tout mon cœur une chose qui vous tient vraiment. Et on est avant les élections, mais moi je m'en fous, je ne suis pas élu ni candidat. Vous avez un château derrière qui est en ruine. Et je sais que votre souhait, c'est de le réhabiliter. Et j'ai la chance d'avoir derrière moi de hautes personnalités politiques. Il faut que vous continuiez à taper les portes et essayer avec tous les propriétaires occupants, que vous trouviez une solution. Et comme on ne peut pas passer la nuit, on n'a pas où passer la nuit. Alors faites un hôtel et puis les Juifs viendront dormir. Merci beaucoup. Monsieur le maire, Henri Schumann l'a rappelé, nous sommes dans un moment historique, puisqu'après 4 siècles, avec présence ici du notre Daya, notre juge rabbinique, le Rav Van Berger, proclamait qu'il est désormais possible de passer la nuit, de passer simplement à Glatigny pour la communauté juive, pour les juifs du monde entier, car le dévoilement de cette plaque montre combien, évidemment, Glatigny, les habitants de Glatigny, en votre personne, regrettent profondément cette accusation fausse de meurtre rituel. Cette histoire si ancienne, on aurait pu considérer qu'elle appartient au passé et que désormais, finalement, de telles choses ne peuvent arriver. On se trompe. Aujourd'hui, même en France, même à Metz, il y a des gens qui prétendent que les Juifs sont responsables de tous les maux du monde. Voyez, les préjugés n'ont pas disparu. La dernière accusation de meurtre rituel qui a donné lieu à procès, lui en 1903 à Kiev, c'est pas si lointain. Et aujourd'hui, si on n'accuse plus les Juifs de meurtre rituel, on les accuse de bien d'autres choses. C'est pourquoi le geste que nous faisons aujourd'hui, que vous allez faire, monsieur le maire, aujourd'hui, est un geste fondamental pour le rapprochement des citoyens. Juifs, chrétiens, musulmans, quelle que soit leur origine, leur religion ou leur croyance. C'est un moment de cohésion républicaine qui m'apparaît indispensable. Et c'est pourquoi de nombreuses personnalités sont venues, les élus bien sûr, mais aussi M. Joël Mergui, président du Consoir central, qui a tenu à ce que cet événement ait une dimension non seulement régionale, mais aussi nationale. Voilà, Monsieur le maire, en quelques mots, pourquoi cette cérémonie est si importante? Bien sûr, clore le passé, clore le litige, lever l'interdiction, c'est un geste religieux important, mais aussi assurer les liens entre nous, que nous puissions construire ici à Glatigny, dans cette terre de Moselle, de Lorraine et partout en France, des liens forts entre des citoyens responsables qui veulent construire ensemble un avenir meilleur. Les choses sont difficiles, nous le savons, nous traversons une période de troubles. C'est pourquoi chaque geste est fort et permet de rassembler ceux qui veulent construire un avenir de paix. Je vous remercie. Bien qu'il n'y ait pas d'écrit sur l'interdiction de passer la nuit à Glatigny, il n'y a pas eu d'écrit rabbinique, mais il y a une tradition, eh bien, je vais proclamer aujourd'hui que désormais, nous pouvons, nous membres de la communauté juive, très solennellement, passer dans votre village, y passer la nuit, et surtout, et c'est une invitation à chacun d'entre nous, juifs et non-juifs, venir voir cette plaque pour se rappeler de ce qui s'est passé ici, pour que plus jamais de telles horreurs ne puissent se reproduire. Je vous remercie. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, vous avez, je crois, tous été cités, monsieur le sous-préfet,
messieurs les grands rabbins, chers collègues présidents du consistoire et chers administrateurs des différentes communautés et de la communauté de Metz, mesdames et messieurs, c'est un moment de très grande émotion pour nous tous, et je le ressens dans les regards, dans les interventions qui ont eu lieu, dans les petites discussions que nous avons pu avoir depuis que je suis venu spécialement ici pour passer d'abord le Shabbat à Metz et pour être ici ce matin à cette importante cérémonie. C'est un moment d'émotion, un moment de réparation, un moment d'évocation et un moment de mémoire. Et je voudrais tout d'abord remercier M. Henri Schumann pour le travail qu'il a effectué depuis tant d'années, avec votre aide, avec l'aide de la communauté, pour arriver à ce que une vérité et un moment et une affaire s'arrêtent et nous donnent une occasion effectivement de ce rassemblement, mais une occasion également pédagogique dans un moment difficile que connaît la communauté juive en France. Il n'est pas possible de dévoiler une plaque à la mémoire d'un homme qui a été, entre guillemets, jugé, assassiné pour un crime qu'il n'avait pas commis, de la dévoiler tant de siècles après, sans se souvenir à la fois du contexte dans lequel c'est arrivé et sans penser que ça ne serait qu'une plaque que nous serions en train de dévoiler. Du contexte. Le contexte, ce sont les préjugés. Les préjugés qui ont pu atteindre à tant de moments de notre histoire la communauté juive, le crime rituel. Aujourd'hui, ça paraît ancien, mais pendant combien de siècles, c'est quelque chose que les juifs ont dû porter comme une accusation répétée qui circulait d'un endroit à l'autre et qui restait dans les esprits. Peut-on être sûr, monsieur le maire, que dans les esprits de tous ceux qui vivent ici, cette impression est complètement effacée? On ne peut jamais être sûr de rien. Il faut répéter les choses, les retravailler. Parce que pendant des siècles, malgré les efforts qui ont été faits pour redire que ce n'était pas possible, que ce n'était pas vrai, eh bien, des accusations ont pu se faire par-ci, par-là. Et quand je dis des siècles, c'est long. C'est pas 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est passé comme ça. Et on revenait à tel point que, me semble-t-il, sans me tromper, qu'il y a des endroits où il fallait montrer patte blanche, mais des endroits où il fallait montrer vin blanc. Et à Strasbourg, pour le céder de Pessah, alors que la tradition veut qu'on utilise du vin rouge, à Strasbourg, jusqu'à aujourd'hui, on utilise du vin blanc pour être sûr que le vin n'était pas issu d'un crime rituel. Vous imaginez ce que les esprits ont pu provoquer dans une communauté à un moment donné dans notre histoire. Alors cette réparation, elle était fondamentale. Et je suis heureux d'entendre le grand rabbin, le Dayan, ici, redire finalement que cette tradition, cette inquiétude qui faisait que la réparation qu'à l'époque la communauté juive voulait faire, c'est de se dire si ici on a eu une injustice envers un juif, on ne pouvait plus venir ici. Cette injustice est aujourd'hui réparée. Mais est-ce que nous vivons aujourd'hui dans un monde où il n'y a plus d'injustice, où il n'y a plus de préjugés envers la communauté juive? Ben malheureusement, force est de constater, je dois le redire ici, et devant les représentants de la communauté juive, et devant les représentants des villes, de l'État, des différentes responsabilités que nous pouvons avoir, l'antisémitisme continue à sévir en France et en Europe. Il a pris de nouveaux visages. C'est plus le crime rituel, mais c'est d'autres crimes qu'on veut faire porter aux Juifs, et dans leur version moderne, à l'État d'Israël, aux Juifs qui vivent en Israël. Il y a de nombreuses façons
de vouloir s'attaquer à notre communauté. Et on a pris tous les aspects politiques, les aspects culturels, les aspects journalistiques. On a même voulu inventer des nouvelles formes d'humour pour pouvoir s'attaquer encore à nous. Et on les invente d'une telle façon que c'est difficile de dire qu'il n'y a pas de hasard, mais que dans cette même journée aujourd'hui, ceux qui profèrent et qui ont proféré pendant des années des paroles antisémites, antisionistes et négationnistes se retrouvent pas très loin d'ici ce soir. Alors, c'est important que nous soyons réunis pour nous souvenir qu'un préjugé, des paroles peuvent tuer. Que quand on dit des mots, ça peut paraître faire rire pour certains, ça peut être des constats pour d'autres, ça peut amener des femmes et des hommes à tuer. Nous l'avons vu dans notre pays, il n'y a pas si longtemps que ça, on a tué des enfants juifs parce que juifs, en leur faisant payer des crimes commis soi-disant par des Israéliens, bien loin d'ici. J'ai bien dit soi-disant. Alors l'histoire se répète, et à chaque moment où nous nous rassemblons pour réparer l'histoire, nous devons réfléchir comment faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Alors il y a dans mes paroles beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux, beaucoup de vigilance, mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Il y a aussi beaucoup d'espoir. Et si je n'ai pas voulu venir ici à Glatigny ce matin par le premier train et repartir ce soir, si j'ai voulu venir depuis hier pour passer le Shabbat, l'espoir il est là. C'est qu'à côté de cela, plusieurs siècles après, vit une communauté d'un dynamisme exceptionnel. Avec un grand rabbin, un président, avec une vie juive, avec une synagogue, avec une école, avec des enfants, la vie juive continue. On a cherché dans notre histoire à de nombreuses reprises à nous atteindre, à nous empêcher, à nous faire peur. Mais personne, personne n'empêchera les juifs de continuer à vivre leur judaïsme. Personne ne nous empêchera de continuer à exister. Je veux comme souvenir ce qu'a écrit Raphaël Lévy dans son cachot. Il souhaitait être enterré en tant que juif. Malheureusement, il a été brûlé. Et il souhaitait que sa fille qui était fiancée se marie comme juive. C'est-à-dire qu'il souhaitait, malgré ce qu'il venait de vivre, il souhaitait que le judaïsme qu'il portait continue à vivre. Et c'est peut-être ça le message principal de chaque dévoilement de plaque. Que ce soit celle-là, ou que ce soit celle qu'on dévoile à la mémoire des déportés, ou que ce soit celle qu'on a dévoilée à la mémoire des enfants assassinés à Toulouse. Notre responsabilité conjointe des responsables de la communauté juive, des responsables de tous les partis politiques, de ceux qui ont des responsabilités dans l'État, c'est de faire en sorte que si certains veulent empêcher le judaïsme de continuer à s'exprimer, c'est de faire en sorte qu'il continue à exister. C'est cet acte, monsieur le maire, que vous faites ici, en remettant à sa place le nom d'un homme qui a vécu dans cette région, avec sa famille, qui a donné des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, jusqu'à celui qui est ici avec nous et qui faisait partie d'une communauté qui continue en France à exister malgré tout ce qui s'est passé entre il y a 350 ans, 340 ans et aujourd'hui l'affaire Dreyfus, les guerres, la Shoah, un certain nombre, tout ce qui a pu venir bousculer notre communauté. Nous sommes encore là, nous croyons en l'avenir, nous croyons en la France. Nous croyons en cette France qui sait dénoncer les extrêmes, qui sait réparer les injustices, qui sait empêcher le négationnisme, qui sait combattre l'antisémitisme, qui sait combattre l'antisionisme et qui sait donner aux Juifs toutes les conditions de pouvoir, en sécurité et en liberté, exercer notre culte. Merci, monsieur le maire, de nous donner cette occasion de ce rassemblement. Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux ici présents à Glatigny. Et merci aux habitants de Glatigny
C'est pas une très grande ville, mais ça devient le centre de la France aujourd'hui. Merci aux habitants de Glatigny d'effacer complètement tout doute qu'il pouvait y avoir dans certains esprits sur le fait qu'il n'y avait pas, il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais, jamais, dans le message des 10 commandements que nous avons reçus dans notre tradition hier, dans toutes les synagogues de France et du monde, jamais qu'un message d'amour, jamais dans notre tradition, il est question pour une quelconque raison de porter atteinte à la vie de qui que ce soit, au contraire. Alors, ça sera toujours un message d'amour, un message de paix, un message de tolérance qui sera délivré par la communauté juive ici, à Glatigny, en France, en Israël et partout dans le monde. Merci. La société de plus en plus égoïste et individualiste, on sent bien qu'il est plus facile de prôner la haine et la violence que la paix et l'amour. Donc, la grande satisfaction que j'éprouve à cette cérémonie, c'est qu'elle a rassemblé deux communautés qui s'étaient divisées il y a 344 ans. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour Glatigny et pour le consistoire israélite de la Moselle et de toute la France et de partout ailleurs. Voilà ce que je voulais dire. Je vais dévoiler la plaque avec M. Meyer, qui est descendant de M. Raphaël Lévy. Et ensuite, je vous invite cordialement à venir partager le verre de l'amitié et de la rencontre, le verre de l'amitié cachère, oui, et de la réconciliation retrouvée à Glatigny. Voilà. Merci beaucoup. Très, très ému et très honoré. Et je voudrais vraiment beaucoup remercier Monsieur le maire de Glatigny pour tout ce qu'il a fait. Je voudrais remercier Monsieur Henri Schumann et Messieurs les rabbins et présidents et membres des consistoires pour leur participation éminente à cette cérémonie et puis pour ces discours si vrais que vous venez d'entendre et auxquels je serais bien en peine d'ajouter quoi que ce soit. C'est une très très grande émotion. J'ai toujours entendu parler de l'affaire Raphaël Lévy dans mon enfance parce qu'il y avait dans la bibliothèque de mes parents le livre de Joseph Reynac consacré à Raphaël Lévy qu'il avait publié en 1898 en pleine affaire Dreyfus. Et comme cela a été dit tout à l'heure, cette affaire Raphaël Lévy a été une affaire Dreyfus avant la lettre. Mais à cette époque, ni moi ni même mes parents ne savions que nous étions des descendants de Raphaël Lévy. Et c'est en faisant des recherches généalogiques à Metz, en remontant, que de degré en degré, j'ai fini par trouver Raphaël Lévy, d'abord sa petite fille Blimley, qui avait épousé un terquem de Metz, et puis le père de Blimley, qui était ce Lion Lévy, qui avait accompagné son père à Metz, lors de ce jour fatal du 25 septembre 1669. Voilà, je suis très ému. Je voudrais aussi ajouter simplement que je suis loin d'être le seul descendant de Raphaël Lévy. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici qui sont venus, mais il a eu beaucoup d'enfants et de descendants, qui doivent être des centaines et des centaines aujourd'hui, qui, pour la plupart sans doute, ne savent pas qu'ils sont des descendants de Raphaël Lévy. Enfin, disons que je les représente tous. Merci beaucoup et encore merci à tout le monde. De Raphaël Lévy, martyr, juif de Boulay, brûlé vif à Metz le 17 janvier 1670 pour un crime rituel qu'il n'avait pas commis sur l'enfant de Glatigny, Didier Lemoine. Le pardon requiert la mémoire absolument vive de l'ineffaçable, au-delà de tout travail du deuil, de réconciliation, de restauration, au-delà de toute écologie de la mémoire. Jacques Derrida.
le 19 janvier 2014. Bravo.